Salut les amis, c'est Bowler. Je suis un streamer québécois, franco-ontarien, je viens de l'Ontario. Je stream depuis 2016, je vous dirais. J'approche la cinquantaine, ça paraît pas. Puis je suis un méchant, méchant fan de rétro. Méchant, j'adore. La Nintendo, c'est ma console préférée. J'ai même la petite manette pour jouer au Nintendo Switch Online. C'est ça qu'on va jouer. Même un tattoo. Ça dit Game On. Pas mal cool. C'est moi ma question pour vous, les gamers. C'est quoi votre jeu rétro préféré? J'suis un streamer bilingue. Mais je veux faire plus de vidéos en français. Puis mes streams sont souvent en français et en anglais. Dépendant de qui vient voir mon stream. Alors, c'est cool, je suis un Canadien. Comme j'ai dit, je suis un Québécois. Puis, ouais. Mais moi, mon jeu préféré, rétro, c'est Ninja Gaiden. Si vous avez vu dans l'intro, vous l'avez peut-être vu déjà. Ce jeu ici, vraiment, c'est un jeu vraiment incroyable. Je trouve que les contrôles sont parfaits. Tout est juste parfait dans ce jeu-là. Je l'adore. C'est un des premiers jeux de cinématique. Vraiment cher. Alors c'est ça, moi je vais jouer une coupe de stage pour vous. D'autres jeux rétro que j'adore, c'est j'aime bien Mega Man. Mega Man 2, c'est un très bon jeu. Un autre jeu que j'aime beaucoup, pis que plein du monde sont comme t'es malade d'aimer ça, c'est Ghosts and Goblins. Jeu totalement sadique. Je l'avais ce jeu-là aussi. Quand j'avais un Nintendo quand j'étais jeune. J'ai même la copie originale de Ninja Gaiden aussi, mais on est dans le milieu de déménagement, alors là j'étais un peu dans le champ là. Bon. Castlevania, c'est un autre jeu que j'aime bien. Ça, c'est des jeux de Nintendo. Super Nintendo. Il y en a une couple que j'aime aussi. Ben, il y en a beaucoup, beaucoup dans le fond. J'aime beaucoup Final Fantasy IV, mais c'était deux dans le temps. Super Castlevania IV. C'est peut-être le jeu avec la meilleure. Meilleur soundtrack. Est-ce que ça sonne bien, ce jeu-là? Ça a juste pas d'allure. Je peux rouiller le gars, là, parce que d'habitude, je suis pas mal bon, je suis pas mal bon. Je suis meilleur à ce jeu-là, d'habitude, je serais plus rouillé. Aussi, j'adore le vibe des jeux. Tu sais, les jeux modernes, mais en style rétro, comme Shovel Knight, je sais pas si vous connaissez ça. C'est un jeu que j'adore, qu'il faudrait que je joue sur ma chaîne. Vraiment cool. Aussi, dans le style de Ninja Gaiden, il y a un jeu qui s'appelle The Messenger. Fait par les Québécois, justement. C'est fait par Sabotage Studios. Je pense que c'est les mêmes gars qui ont fait... qui ont fait Sea of Stars. C'est un jeu très inspiré par Chrono Trigger. Puis Chrono Trigger, je l'ai jamais joué. Je me suis fait dire que je devrais jouer. Normalement, je suis dans une phase de Papier Mario. Souvent, je rentre dans des phases. Puis c'est ça, c'est un nouveau, vous allez voir, je vais commencer ça sur ma chaîne justement, un jeu de Papier Mario. Alors, checkez pour ça. Mais moi, j'ai jamais joué à l'original. J'ai même pas joué Super Mario RPG quand il est sorti. J'ai joué un peu plus tard. Puis là, je l'ai racheté sur le Switch, c'est le remake. J'ai pas accroché autant que j'aurais voulu. J'ai attendu tellement... dire que c'est un jeu excellent. Puis je sais pas, je suis en train de jouer en ce moment, j'ai pas fini, je pense que j'ai 5 étoiles sur 7. Puis je sais pas, man, il manque de quoi. Puis justement, je pense que je vais jouer sur ma chaîne, je pense que ça va être lundi. Alors,
J'ai aussi joué Paper Mario, je l'avais jamais joué non plus. Paper Mario sur la Nintendo 64. Ça, j'ai commencé à jouer ça sur ma chaîne aussi dans la dernière semaine. Puis ça, ce jeu-là, je vous avoue que je l'aime mieux que Super Mario RPG. Je sais pas si c'est une opinion populaire, mais ouais, c'est ça. Mais le nouveau Paper Mario qui va sortir sur le Switch, j'ai déjà précommandé à Thousand Year Door. Ça, j'avoue que ça a l'air malade. Ça a l'air, ça sonne tellement bien, puis ça a l'air vraiment cher. Ça, c'est une thème que vous voulez garder. Ça, je savais que c'était ça. Le jeu aussi, en passant, je l'ai fini quand j'étais... quand j'étais ado. J'avais 13 ans quand ce jeu-là est sorti. Je crois que quand j'avais 4... L'année d'après, je crois que je l'ai... je me souviens. Je l'ai fini dans un bonhomme. Je l'ai fait dernièrement sur ma chaîne aussi. Je vais peut-être faire le prochain stage, puis ça va être tout. Autre jeu rétro que j'aime bien, quand même, ça ne vient pas à l'esprit. Ben, les Zelda, c'est sûr. Le premier Zelda, c'est un jeu totalement classique. Rygar. Rygar, c'est fait par la même compagnie que ce jeu-ci, Tecmo. Rygar, c'est un autre jeu que j'aime beaucoup. Il y a Contra aussi, mais je l'ai jamais. Je l'avais pas quand c'était jeune. Ça, c'est un jeu que j'ai jamais fini sans le code, le Konami Code, le code pour 30 vies. Je l'ai jamais fini sans ce code-là. Ce serait un jeu très intéressant à essayer de finir. Sans le code. Il me semble que j'aurais une fierté. Tantôt, j'ai mentionné que j'aimais Ghosts'n Goblins. Super Ghosts'n Ghosts sur le Super NES. Ça, c'est un jeu qui est tough en tabarouette. J'aime pas, par exemple, le fait de tous ces jeux-là, faut que tu les finisses deux fois. Ça, c'est un peu tâtant, je trouve, là. Comme, fuck, man, je sais pas, tu le bats une fois, puis c'est comme, ok, t'as fini ce jeu, là. Pourquoi faut vraiment que tu finisses le jeu deux fois pour avoir un item? C'est un peu con, ça, là. Ben, je vais pas le faire, mais on dirait que c'est pas le genre de défi qui m'allume. Ouais, un peu de la misère aussi. Moi, je suis pas mort. Ben, si, jamais bien, je trouve. Ah, bon, je suis proche. J'ai la misère. Bon, ça va conclure notre petite vidéo. Je vais garder ça proche de 10 minutes. Alors, ça va être parfait. Alors, merci de m'avoir. D'avoir écouté cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, ben, soutenez ma chaîne. Je vous conseille de peut-être vous abonner si ça vous tente. Pas d'obligation, ça vous tente pas, ça vous tente pas. Vous n'êtes pas obligé. Je vais justement enregistrer une autre vidéo pour un jeu de papier Mario qui va sortir sur ma chaîne aussi. Puis comme je dis, je fais beaucoup de streams. En ce moment, j'ai une couple de streams que je suis en train de... J'ai une couple de jeux. Comme je dirais en anglais, in flight. C'est quoi les jeux? Ben, j'ai mentionné tantôt, il y a Super Mario RPG. Je suis rendu à la 5e étoile. J'ai Mario Sonic 4 que j'ai joué hier. Christ, j'ai ragé, pardon. Je crois que je suis rendu à 71 étoiles dans ce jeu-là. Puis j'ai papier Mario. Puis ça, c'est juste au début, j'ai fini le premier chapitre. Alright! Mais si y a des jeux rétro qui vous intéressent, que vous aimeriez voir sur la chaîne, dites-moi savoir. Je serais curieux. Puis si jamais vous voulez jouer avec moi, avec le Nintendo Switch Online, vous pourrez le faire. Ce serait pas mal cool. Hey les amis! Toute la musique est bonne dans ce jeu-là. Alright, pendant que l'histoire joue, je vais vous quitter là-dessus.
Et on se voit dans la prochaine vidéo.